Terra Découverte vous amène à Navacelle. Ce village est situé au fond des gorges de la Vis. À cet endroit, la vallée s'élargit pour former un canyon naturel immense, le cirque de Navacelle. La randonnée part de Baume d'Auriol pour descendre au hameau de Navacelle, puis longer la rivière pour arriver et rejoindre le magnifique Moulin de la Foux. Je vais vous faire découvrir ce cirque de Navacelle qui est le fruit d'une alchimie harmonieuse entre l'homme et la nature millénaire et renouvelée. Ces espaces naturels et protégés abritent un terroir riche et varié, une biodiversité exceptionnelle. Bonjour à tous sur Terra Découverte. Aujourd'hui, je suis dans l'Hérault. On va faire le circuit de Navacelle, magnifique site. Vous allez voir, c'est superbe. On va faire tout le tour de ce grand cirque ici dans l'Hérault, à côté de Montpellier. Nous allons traverser le pont de la Vis. Changement de décor, regardez ce joli petit sous-bois. Ouais, on est obligé d'aller dans l'eau pour aller récupérer un sentier plus intéressant. Ça, c'est l'aventure. Et voilà, ça, c'est l'aventure. Regardez-moi cette lumière. Magnifique.
Ah, vous avez vu, hein, c'est impressionnant, hein, ce moulin, avec la résurgence, cette puissance motrice de l'eau, eh bien, qui permettait jadis, eh bien, de faire tourner ces moulins. C'est un endroit qui est vraiment somptueux ici, au cirque de Navacelles. Allez, petite peau, vous voyez, on est parti de là-haut, là, on est descendu, et ensuite, eh bien, on a zigzagué, eh bien, dans ce sous-bois, pour arriver jusqu'au niveau du moulin, et là, on est déjà remonté à ce niveau de sentier, et là, on va continuer notre boucle, comme ça. Vous voyez, c'est vraiment ça qui est intéressant aussi dans cette randonnée du cirque de Navacelles. Là, on est sur les plateaux avec encore un autre décor. C'est superbe cette alternance de paysages tout au long du parcours. Et j'ai trouvé le coin pique-nique. Un restaurant panoramique. Au cirque de Navacelles. Est-ce que là on n'est pas bien pour manger? Et voilà, c'est l'heure du pique-nique. Hein. Alors, c'est quoi le repas? On la va serrette. Manger de la salade de tomates avec des sardines et du pâté de cèpe. Voilà, on va prendre des forces, hein, pour faire la suite de la randonnée. Et là, on a récupéré le sentier qui descend, eh bien, au village de Navacelles, le magnifique village. C'est parti pour la descente. Voilà, nous sommes à 700 mètres du village de Navacelles. Et voilà, on retrouve le pont de ce matin, le pont de la Vis. Allez, petit topo, eh bien tout à l'heure on était dans les sentiers ici, hein. On a traversé tout ça, jusqu'au belvédère là-haut, là. Puis on est revenu,
Et ensuite, on a descendu jusqu'à Navacelle. Voilà, l'ascension est pratiquement terminée. Hein. On est parti depuis le hameau de Navacelle hein, pour nous diriger sur le parking où se trouve la voiture. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était encore avec des endroits et des sites superbes. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de partager cette vidéo, hein, faire profiter à d'autres personnes eh bien, ce magnifique endroit. Je vous conseille de venir au cirque de Navacelle.